ne peut pas avancer uniquement parce qu'on a des connaissances dans la tête. Mais que dans la vie, pour avancer et réussir, il faut également avoir un certain nombre de valeurs qu'on doit cultiver. Que certains, dans la vie de tous les jours et dans leur jeunesse, n'ont pas eu l'occasion de cultiver. Parce qu'ils ont perdu leurs parents trop tôt, parce que les parents étaient absents pour de multiples raisons. Et ces enfants n'ont pas appris les valeurs de la discipline, les valeurs de la rigueur, les valeurs du travail, les valeurs de l'effort, les valeurs de la constance, les valeurs de l'endurance, les valeurs où on n'abandonne jamais. On continue toujours, on échoue une fois, on se relève, on recommence, on échoue deux fois, on se lève, on recommence, on échoue trois fois, on se lève, on recommence. Un adage dit que Thomas Edison, celui qui a découvert la lumière, les lampes pour certains, a essayé 99 fois. Et 99 fois, son expérience a échoué. Mais il a essayé une centième fois. Et cette centième fois-là, la lumière est apparue. Donc si c'était dit 80, ça suffit, je suis fatigué, on n'aurait pas la lumière aujourd'hui. S'il avait dit 99, ça suffit, on n'aurait pas la lumière aujourd'hui. Donc ceux qui vont travailler dans ce centre, on va leur apprendre ces valeurs. On va leur mettre un sac au dos. Ils vont faire 10 fois le tour de l'école d'abord à 4 heures du matin. Donc ceux qui se lèvent à 9 ou 10 heures du matin, cette école-là, ce n'est pas pour vous. Là, il vaut mieux rester à la maison.